programmation en temps réel. Le système Lynx permet d'opérer des changements de programmation en temps réel et fournit une manière simple et intuitive de faire des ajustements pour améliorer l'expérience utilisateur. Tout d'abord, assurez-vous que le système est en mode programmation en temps réel, indiqué par le symbole du fauteuil en haut de l'écran. La clé de programmation Lynx, connectée à un dispositif iOS, permet de paramétrer les fonctions de conduite et possède une interface graphique permettant d'une manière simple d'interagir avec le programme. La vitesse de conduite en marche avant, en marche arrière et en virage peut être facilement ajustée en temps réel grâce au curseur d'ajustement du graphique. Pour accéder au paramétrage d'accélération et de décélération, il suffit de faire un appui maintenu sur l'un des curseurs d'ajustement de la vitesse. L'écran passe alors au paramétrage d'accélération et de décélération où le curseur peut à nouveau être utilisé pour ajuster ses paramètres. L'agilité du fauteuil, lorsqu'il amorce ou sort d'un virage, peut être ajustée en glissant le curseur sur la barre de transition. Tous ces réglages sont possibles dans des amplitudes assurant systématiquement la sécurité de l'utilisateur.